veille sur nous, qui nous aide à prier, car nous ne savons pas comment il convient de prier. Mais le Saint-Esprit vient en aide à nos faiblesses et c'est lui qui intercède pour nous. Mépriser le Saint-Esprit, c'est disqualifier sa vie de prière et c'est disqualifier tout ce qui vient de Dieu, parce qu'il est le transporteur, il est celui qui rend Dieu concret, palpable. Il est la personne qui doit être respectée, honorée. Devant lui, nous devons nous mettre au garde à vous. Devant lui, nous devons renoncer à essayer d'impressionner. Il est celui qui regarde au cœur et non au corps. Il est celui à qui nos vies doivent faire plaisir. Mais il est celui qui nous rend capables aussi de lui offrir ce qui lui fait plaisir. Il est indispensable et nécessaire pour tout. Je ne peux pas prier sans lui, parler sans lui, agir sans lui, penser sans lui. Alors nous voulons soupirer. Soupirer. Que même nos soupirs. Il est celui qui suscite la soif, puisqu'il est celui qui produit le vouloir et le faire. Mais il est également celui qui abreuve, étanche, satisfait, répond à la soif. Voilà pourquoi il est là. Il est le commencement, il est la fin. Il est la source, le commencement, et il est la fin. Rien ne peut se faire sans lui. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des âmes. Inspire nos soupirs à la vie. Oh, I might be near you, God. I need a devos. I am a devos. Heureusement que tu as parlé des soupirs inexprimables. Parce qu'il y a des choses que mon intelligence naturelle ne parvient pas à exprimer. Mon français est trop limité pour exprimer. Ma connaissance linguistique, mes compétences, mes diplômes ne sont pas assez forts pour exprimer. Alors merci pour la grâce des soupirs inexprimables. Ce soir est une scène de convocation. Elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les assoiffés de Dieu. Elle est pour ceux qui soupirent. Elle est pour ceux qui en soif. Qui en soif de ta réalité. Soif de ta vie, qui ont soif de ton toucher, qui ont soif de ta demeure, qui ont soif de ta vie, qui ont soif de ta vérité, qui ont soif de ta communion, qui ont soif de ton obéissance. Qui ont soif de la dépendance de toi. Cette réunion ce soir est pour ceux qui ont soif. Patala de rebabos, y pande de rebaïka, y 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 de rebaïka. Ma présence ici ne signifie pas non, que je
ses pieds. Non, 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 non. Mais ma présence d'ici signifie que j'ai soif et que mon âme soupire. Elle soupire après toi, la source d'eau vive, la source des fleuves d'eau vive, la source de vérité, la source d'amour, la source de connaissance. Père, notre présence ici signifie que nous soupirons. Elle ne signifie pas que je suis mature. Elle ne signifie pas que je connais les Écritures. Ma présence ne signifie pas que je connais la parole. Ma présence ne signifie pas que je suis parfait. Ma présence ne signifie pas que je marche dans la sainteté. Ma présence signifie que je soupire. Aïe, de l'émos, aïe, de l'émos. Oh, ma présence ici, aïe, de l'émos, signifie, oh Père, combien je soupire. Elle ne signifie pas que je suis un leader, que je suis un pasteur. Elle ne signifie pas que je suis serviteur travaillant activement pour le royaume. Non, ma présence ici signifie que je soupire. Aïe, les mamros, les ah oui, elle signifie que je. Ma présence ici signifie que je soupire. Aïe, les mamros, les elle ne signifie pas que j'ai atteint le but, non. Elle ne signifie pas que je suis quelqu'un de bien, non. Même les hommes mauvais ont soupiré devant Dieu pour être changés. Elle ne signifie pas que je suis quelqu'un d'important, non. Elle signifie simplement que mon âme soupire. Ma présence ici signifie que mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Même si je ne sais pas prier, paix. Même si je ne sais pas parler. Oh, ma présence ici signifie qu'au plus profond de moi, j'ai soif de toi. Qu'au plus profond de moi, je te désire. Qu'au plus profond de moi, je veux vivre Christ. Au plus profond de moi, je veux te manifester. Au plus profond de moi, je veux t'exprimer. Au plus profond de moi, je veux te glorifier. Au plus profond de moi, je veux te révéler. Au plus profond de moi, je veux te rendre visible. Au plus profond de moi, j'aspire. Non, je n'ai pas dit que j'ai atteint la perfection. Mais au plus profond de moi, tendre paix. Au plus profond de moi, Jésus-Christ. Au plus profond de moi, Saint-Esprit. Je soupire après le Dieu trois fois saint. Je soupire après ta réalité. Je soupire après ta plénitude. Je soupire après ta vérité. Je soupire après ton amour. Je soupire après ta justice. Je soupire après ta sainteté. Je soupire après la vie éternelle. Je soupire après l'irradiation divine. Je soupire après la circoncision du cœur. Je soupire après la victoire sur le monde. Je soupire après la victoire sur tout démon de l'enfer. Je soupire après le triomphe de Christ. Je soupire après la victoire de la croix. Je soupire après la manifestation de l'héritage. Je soupire après la vie de l'héritage. Je soupire après ta vie extraordinaire divine. Je soupire après ta réalité. Je soupire après ta tangibilité. Oh, ma paix, je soupire.
soupir. Oh, je ne sais pas prier, mais je sais faire une chose, c'est soupirer. Anne ne savait pas prier, mais elle a prié à soupirer. Joseph dans le puits ne savait pas quoi dire, mais il soupirait. Il soupirait après l'esprit de liberté. Il soupirait après le Dieu de son salut. Je soupire après le Dieu des délivrances. Je soupire après le Dieu de guérison. Je soupire après le Dieu de vérité. Je soupire après le Dieu de connaissance. Je soupire après le Dieu d'amour. Je soupire après le Dieu de gloire. Aïe, les mamrocos, attalé les mamos. Oh, je soupire, oh, donne paix. Aïe, les mamrocos, attalé les mamos. Je soupire après ta réalité. Je soupire après ta tangibilité. À travers Internet et dans cet endroit, je soupire. Ah, je ne sais pas pour ceux qui sont restés au travail et ceux qui ne sont pas connectés. Mais moi, si je suis connecté physiquement ou à travers Internet, c'est parce qu'au plus profond de moi, ma vie ne restera pas où elle est aujourd'hui. Il y a une autre réalité, l'extraordinaire divin. Il y a une réalité qui s'appelle la vie abondante. Aïe, allez, les babos, les babos. Ah, mon père, je soupire après le consolateur. Je soupire après le bon berger. Parce que ma vie a besoin de direction. Je soupire après celui qui console les cœurs. Après le guérisseur des cœurs brisés. Je soupire après l'architecte de ma vie. Je soupire après le rocher des siècles. Je soupire après celui sur lequel ma vie est bâtie, fondée, établie, fermement enracinée. Je soupire après celui qui fait tout à merveille. Je soupire après le réparateur des brèches. Je soupire après l'étoile brillante du matin. Celui qui fait briller l'étoile de ma vie. Celui qui me rend étincelant et éclatant de gloire. Je soupire après mon espérance de gloire. Je soupire après le bâtisseur. Je soupire après ma forteresse. Je soupire après l'esprit de vie. Je soupire après l'esprit de paix. Celui qu'on appelle dans les Écritures le prince de paix. Je soupire, oh je soupire. Et ma carrière de l'élève à ma main. Libre pour sa maladie de mon cochet de l'élève. Oh, à ma père, je soupire. À ma père, je soupire. Je ne sais pas prier, non, non. Mais au plus profond de moi. Mais au plus profond de moi. Au plus profond de moi. Ce sont les insatisfaits qui soupirent. Je me sens insatisfait. Toi seul pourras étancher ma soif. Toi seul pourras apaiser mon cœur. Toi seul pourras consoler mon âme. Il a marre de l'embrosser.
Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Oh, ma Père, je m'humilie, je t'en supplie, plus de toi. Plus de toi, plus de discernement, d'intimité, de communion, de fusion et d'osmose et de ta volonté, c'est de conformité à qui? Je demande plus, plus de conformité à toi, plus de toi, rends-moi semblable à toi. Oh Père, je te prie plus de ta
ressemblance de ta vie, de ton vécu, de ton expérience, de ta connaissance, de ton intimité, de ta connaissance, de ta révélation et de plus de toi. Pour moi, ce n'est pas une chanson, non, non, non. C'est un cri du cœur adressé à Dieu. Plus de discernement, de ta volonté, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma destinée, plus de toi dans mon âme, dans mon corps, dans ma santé, dans mes fibres, dans mes cellules, dans mes organes, plus de toi dans mon système de pensée, plus de toi dans mon foyer, dans mes enfants, dans ma destinée, dans mon travail, dans tout ce qui me concerne. Ce n'est pas une chanson, mais c'est une prière. Aïe, 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 je réclame plus. Je refuse de rester là où je suis. Je refuse de rester malade. Je refuse de rester oppressé. Je refuse de rester harcelé. Je refuse de rester dans l'échec. Je refuse de rester célibataire. Si je n'ai pas envie de rester célibataire, je te prie plus de toi. Seigneur. Ah, de ta ressemblance, oh, tel tu es, qu'ainsi je suis, tel tu penses, qu'ainsi je pense, tel tu fais, qu'ainsi je fasse, tel tu es, qu'ainsi je sois, tel tu opères, qu'ainsi j'opère, tel tu agis, qu'ainsi j'agis, tel tu as marché, qu'ainsi je marche, tel tu as obéi, qu'ainsi j'obéisse, tel tu t'es soumis au Père, qu'ainsi je sois soumis au Saint-Esprit, tel tu as attendu le Saint-Esprit, tel j'attends. Je te prie, à plus, à ta manière de vos je te prie, je te prie. Plus de toi. Voisin, si tu as l'impression que nous on crie comme des désespérés, ne fais pas attention à nous, ne fais pas attention à la personne qui est à côté de toi. Si tu as l'impression qu'on est trop émotif, si tu as l'impression qu'on ressemble trop à Bartimée et qu'on a l'impression d'être agité, ne fais pas attention à nous. C'est parce que au plus profond de moi, il y a le désir de plus. Ma vie ne doit pas s'arrêter là. La dimension où je suis, ce n'est pas la dimension qu'il a prévue. Alors je demande plus.
dans ta pensée, la pensée de Christ, la parole de Christ, la santé de Christ, la vie de Christ, la foi de Christ, la joie de Christ, plus de la paix de Christ, de l'humilité de Christ, de la douceur de Christ, de la sainteté de Christ, de la justice de Christ, de la ferveur de Christ, du zèle de Christ, de l'audace de Christ, plus. Je demande plus. L'excellence de Christ, la capacité de Christ, les pensées de Christ, la vision de Christ, l'audace de Christ, la ténacité de Christ, la douceur de Christ, l'humilité de Christ, la maîtrise de soi de Christ, l'humilité, la tempérance de Christ, de la paix de Christ, de la joie de Christ, de la sagesse de Christ, de l'intelligence de Christ, de la connaissance de Christ, plus. Oh, de ton sel, de ta soif, de moi, toi, dit dans ta parole, lequel d'entre vous, si son enfant lui demande du pain, qui lui donnera une pierre? Et s'il demande un poisson, qui lui donnera un serpent? Et tu as dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste sera-t-il donné le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ce soir, nous ne demandons pas le travail, nous ne demandons pas plus de mariage, nous ne demandons pas plus de travail, nous demandons le Saint-Esprit, nous demandons plus du fruit de l'Esprit, de l'autorité de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit, de la vie de l'Esprit, de la dépendance au Saint-Esprit, de la soumission du cœur du Saint-Esprit. Plus et plus et plus de toi. Une désespérée comme Anne, un désespéré comme Bartimée, comme la femme avec la perte de sang. Ça, ce sont des gens assoiffés. Y a-t-il une personne pour faire retentir plus de toi? Allez, les mains pour c'est pas pour toi, voisin, mais moi je sors de là. Je sors des ténèbres. Je sors de l'emprise des ténèbres. Je sors de l'imitation. Je sors du statu quo. Je sors de là. Je sors de là. Moi je sors de la religiosité. Je sors de la sécheresse. Je sors de la stérilité. Je sors du surplace. Je sors de la médiocrité. Je sors de la médiocrité. Je sors de la petitesse. Plus un de toi. Il faut que sur Internet on entende plus. Plus de feu, plus de sel, plus de ferveur, plus. Je demande plus. Je ne demande pas la religion. Je demande plus du Saint-Esprit. Esprit de vie, plus de toi dans mon corps marche, patrouille, irrigue, inonde, démon, irradie-moi, demande plus, plus de ton feu et de ta ferveur. Yeah.
Ce rendez-vous n'est pas pour les spectateurs. Tu as un rendez-vous des assoiffés. Rendez les réponses. 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 Il m'a pas fait des réponses. Il comprend les réponses. Il m'a fait des réponses. Tous ensemble. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Implorant, gémissant tous ensemble. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Entends nos cris. Plus de toi. Traduis dans ta parole. Plus de toi, allez le Seigneur entend. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus, diminue la voix. Plus, plus de toi, Seigneur. Maintenant, j'entends nos soupirs. J'entends nos gémissements. Hey!
Il y a une pression à l'intérieur. Il y a une pression dans le monde spirituel. Je sens dans mon esprit que des choses, des joues vont éclater. Des bouchons vont sauter. Des bouchons appelés blocage, appelés maladie, appelés infirmité, appelés joues. Des bouchons vont sauter. Continuons de soupirer. Augmente la pression à l'intérieur. Les assoiffés attendent, les assoiffés persévèrent. Voyez les démons, sacrés les démons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Comme la porte de la chambre haute, nous aussi nous attendons, nous aussi nous persévérons. Saint-Esprit, nous attendons. Un peuple a soif de toi. Un peuple voit que le nom de Jésus. Il y a des cathédrales. Sans imposition des mains. Viens imposer toi-même. Viens atterrir. De la même manière que des langues de feu sont venus se positionner. Viens toi-même te positionner. Nous avons soif de toi. Ne nous laisse pas sec. Ne nous laisse pas stérile. Ne nous laisse pas dans le désert. Ne laisse pas nos vies désertiques. Esprit de vie, viens des quatre vents. Fleuve d'eau vive. Envoie les eaux vives. Là on a dit stérilité. Là on a dit sécheresse. Là on a dit dry. Sécheresse. Sécheresse dans la santé. Sécheresse dans le cœur. Sécheresse. Sécheresse. Esprit de vie. Esprit de vie. Aïe, 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 aïe,
Là où il y avait cécité, l'esprit de lumière, viens, nous t'implorons, te supplions. Là où il y avait blocage, esprit de faveur. Là où il y avait blocage, il fallait faire la queue. Esprit de faveur. Là, il fallait que ça prenne des années. Esprit de faveur. Normalement, je sais. Normalement, ce n'était pas mon jour, ce n'était pas mon année, ce n'était pas ma saison. Normalement, je n'étais pas programmé. Mais esprit de faveur. Aïe, allez, les beaux saints. Les bras tentés, les bras. Là où je n'étais pas inscrit pour cette année, esprit de faveur. Ah. Seigneur, je n'irai nulle part ailleurs. Je n'ai pas d'autre refuge. Je n'ai pas d'autre espérance. Je n'ai pas d'autre espoir. Je n'ai pas d'autre confident. Je n'ai pas d'autre sécurité. Je n'ai pas d'autre rocher. Je n'ai pas d'autre forteresse. Je n'ai pas d'autre appui. Je ne me confie pas en l'homme. Non. Je ne me confie pas dans les hommes de Dieu. Mes sources sont en toi. Aïe, allez, les amours. Je ne compte pas sur les femmes, je ne compte pas sur les hommes pour pouvoir avoir besoin. Je ne compte pas sur le mari, je ne compte pas sur la femme, je ne compte pas sur les enfants. Je compte sur toi. Chacun est mon salarié. Le Seigneur est mon pourvoyeur, mon guérisseur, ma force. Je ne compte pas sur la vitamine C, je ne compte pas sur les médicaments. La source de ma force. Je ne compte pas sur les médecins, je ne compte pas sur les chirurgiens, je ne compte pas sur eux. Mon médecin, mon chirurgien, esprit de vie, marche à l'intérieur, irrigue mon corps, irrigue mon âme, marche à l'intérieur de mon âme, là où il y avait l'amertume, là où il y avait la peur, là où il y avait l'insécurité. Ah, si tu es comme un désespéré, comme Anne, comme un Bartimée, comme la femme avec la perte de sang, comme la femme cananéenne, lève au moins une main. Tu peux lever les deux, au moins une main. Il faut que ces mains aillent vers Dieu. Il faut qu'elles aillent vers le ciel, pas vers le pasteur, mais vers le ciel. Il faut que tes yeux se trouvent, il faut que tes yeux regardent vers le ciel. Selon qu'a dit le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Hey! Quand t'allais ma brocos, regarde vers le ciel. Il va délever les mots, ça va délever les mots.
Je ne lève pas les yeux vers l'Élysée. Je ne lève pas les yeux vers l'homme. Je ne lève pas les yeux vers un chef, vers un PDG, vers un directeur général. Je lève les yeux vers les montagnes, parce que les montagnes sont en haut. D'où me viendra le secours? Ah, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui veille sur son peuple, quiconque espère en lui ne sera pas confondu. Lève les yeux! Lève les mains! Qui est attendu de vos sangs? Ah! Ma main est adressée à Dieu. Ma main est levée vers toi. Ma main, les brocos sangs et les brocos. Que la main invisible du Seigneur touche ta main maintenant. Touche nos mains. Maintenant, touche nos mains. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers toi. Nous levons nos yeux vers toi. Vers le trône de la grâce. Oh, oh, oh. Nous attendons. Un homme ne nous satisfera pas. Passe par les hommes. Mais nous ne nous regardons pas à l'homme, nous regardons à toi. Le Créateur de toute chair. Le Créateur de tout souffle, de tout ce qui a souffle. Tout ce qui respire. Abba paix. Oh, 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 oh. Bonsoir à mon soif de Dieu. Du Dieu vivant. Pas du Dieu mort. Pas des dieux religieux. Pas des saints. Pas des anges. Non. Bonsoir à mon soif de Dieu. Du Dieu vivant. Pas des idoles. Pas des esprits des eaux. Pas des génies. Non. Pas de ceux qui sont morts. Même s'ils sont saints. Non. Nous avons soif de Dieu. Nous avons soif de Dieu.
À voix basse, soupir, un bloc, gémir. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Parlons comme des déterminés. Qu'il soit certain que tu as décidé de faire de lui le sujet, l'objet de ta quête. Dis-lui, hier je n'étais pas comme ça, mais aujourd'hui, à partir de maintenant, tu seras mon seul soupir. À partir de maintenant, c'est de toi dont j'ai besoin. Et quand tu dis ça, implore. Que tout en moi exprime ta sainteté, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, conseille-moi, l'esprit de lumière, éclaire-moi, l'esprit de puissance, rends-moi puissant, l'esprit de force, fortifie-moi, l'esprit de vie, vivifie-moi. De la tête aux pieds, vivifie-moi. Esprit de crainte de l'éternel, remplis-moi de la crainte, de la révérence, la haine du péché, la haine de la légèreté, le commencement de la sagesse. Tu as dit, c'est la crainte de l'éternel. Oh, je te prie, amen. Et la mort au soleil. Esprit de paix, apaise-moi. Impose la paix dans mon cœur. Impose la paix dans mon âme. Impose la paix à ce cœur. On a dit son rythme cardiaque est déséquilibré. Paix dans ce cœur au nom de Jésus. Shalom, prospérité. Ça veut dire fonctionne normalement. Paix, tu es pressé de toutes parts. Toi, mon cœur, tu es pressé par l'esprit de vie. Tu es ceinturé. Tu es entouré, barricadé par l'esprit de vie, par l'esprit de paix, par l'esprit de puissance et par l'esprit de force. Toi, cœur, reçois cette vie. Tu es quadrillé de tous côtés. Que la main du Seigneur se pose maintenant. Esprit de conseil, conseil. Esprit de douceur, adoucis-moi. Esprit d'amour, fais-moi aimer. Fais-moi pardonner les offenses. Esprit de témoignage, rends témoignage à mon esprit. Onction de Dieu, saisis-moi. Fais-moi opérer la dimension de manifestation de puissance et d'esprit. L'esprit de puissance frunit le sentiment d'impuissance, d'incapacité, de peur, de limitation. Esprit d'audace, rends-moi audacieux. Esprit de courage, rends-moi courageux. Arrakate de rebosso, nanadamamos. Aïe de rebacos, arrakate de rebosso. Esprit de vérité, dirige-moi dans toute la vérité. Ah, esprit de discernement, fais-moi discerner les cœurs des hommes, discerner les choses cachées que je ne connaissais pas. Fais-moi discerner ta volonté, discerner tes voix, discerner ton cœur. Ah, il est des esprit de grâce, multiplie tes grâces, intensifie la grâce. Grâce de connaître Christ, grâce de croire dans la connaissance de Dieu. Grâce de marcher dans l'esprit, grâce d'être soumis au Saint-Esprit, grâce d'honorer le Saint-Esprit. Esprit de grâce, fais-moi grâce de m'abandonner entre tes mains. Allez, la main, procéder, la main.
soupir, implorons. Tout ce que le Saint-Esprit est, rappelle-lui tout ce qu'il est. Quelles sont ses caractéristiques? Dis-lui de manifester ses caractéristiques dans ta vie. Dis-lui, esprit de foi, fortifie ma foi. Dans la ferme et inébranlable. Esprit de puissance, en moi puissant. Esprit d'humilité, en moi humble. Esprit d'amour, fais-moi aimer. Comme j'ai été aimé de Dieu. Implore. Soupir. Esprit de feu, embrasse-moi, je te prie. Ne me laisse plus jamais froid, ne me laisse plus jamais tiède. Esprit de feu, embrasse-moi. De la tête aux pieds, embrase-moi. Allume un feu que personne ne peut éteindre. Ah! Oh, c'est toi que je désire. Toi qui produis vouloir et faire selon ton bon plaisir. Produis en moi la soif de toi. Produis en moi l'amour de Dieu. Produis en moi la ferveur de Christ. Produis en moi l'audace de Christ. Produis en moi la foi des conquérants. Produis en moi une ferme. Non. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Chante les cantates de vos socantes de vos. Ah Seigneur, je te prie. Chante un chant nouveau, un cantique en l'honneur de ton roi. Je t'en supplie, respire en moi. Je t'en supplie, respire par moi. Oh, je t'en supplie, respire à travers moi. Ah, je t'en supplie, Seigneur, irradie-moi. Oh, je t'en supplie, pense à travers moi. Oh, je t'en supplie, Seigneur, vois par moi. Seigneur, crois par moi. Seigneur, aime par moi. Seigneur, marche par moi. Seigneur, opère par moi. Seigneur, agis par moi. Seigneur, respire par moi. Seigneur, aime par moi. Seigneur, pardonne par moi. Seigneur, intercède par moi. Seigneur, opère par moi. Seigneur, prie par moi. Seigneur, prie à travers moi. Oh, je t'en supplie. Ne me laisse plus adulter. Ne me laisse plus adulter. Ne me laisse plus avoir soif d'un objet autre que toi-même. Ne me laisse plus avoir soif d'un autre que toi. Oh, je te prie, par le pouvoir que tu as assujetti toutes choses, nous t'implorons. L'église s'humilie.
L'église a soif de toi. L'église implore. Donne-nous de te connaître. Pas que le pasteur te connaisse, pas que les pasteurs te connaissent, mais que ton peuple te connaisse. Parce que tu as dit dans ta parole, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Non, ce ne sont pas les pasteurs qui doivent faire des exploits. Non, c'est ton peuple qui est appelé à faire des exploits. Mais fais-nous te connaître. Et crois dans la connaissance de Dieu, dans l'expérience de Christ. Chacun d'aller les mains. Oh, garde-nous. Et les mains sont allées. Allez, la mousse. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Et je veux rappelle-toi que adorer ce n'est pas chanter, c'est s'abandonner. Je veux t'adorer de toute mon âme, de toutes mes forces. Je veux t'adorer, ah, je te prie, de toutes mes forces. Moi, j'ai la volonté, je veux t'adorer, mais je n'ai pas la capacité. Mais regarde à mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme. Oh, regarde à mon cœur, je veux m'abandonner, offrir en sacrifice de toutes mes forces. Oh, regarde à mon cœur, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Car tu es mon Dieu. Car tu es fait le tour du monde, j'ai regardé dans les religions et j'ai vu qu'il n'y en a pas d'autre. Tu es mon Dieu. Je peux dire aujourd'hui dans l'assemblée, après avoir fait le tour des religions, que tu es mon Dieu. Il n'y en a pas d'autre, personne n'est le Dieu vivant. Quand tu es mon Dieu. Lever la main et lui dire que tu es. Et quand elle est devant ça, elle est devant ça. Je reconnais que tu es mon Dieu. C'est ma déclaration d'allégeance. Je te reconnais. Il y a le catalogue, mon Dieu.
kosa ye baba ko se te de mama ye te baba de mo sa ye baba la personne chrétienne te reconnaît par de notre Seigneur Jésus ye baba de kata de mo sa comme le seul vrai Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bien-aimés, je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle dans le en Jésus-Christ. Ikatabo, car lui seul est le Dieu véritable et la vie éternelle. Personne n'autre n'est Dieu. Au moins 120 qui avaient de déclarer leur flamme, de prêter allégeance. Y a-t-il 120 personnes qui n'en ont que faire de leur corps vocal, de leur gorge, de leur voix, de leur maquillage, de leur tenue, et qui ont envie de déclarer à Dieu comme un seul homme, un seul corps, de te reconnaissance. Dans l'assemblée, je veux te dire. Ton voisin n'est pas obligé de le dire à haute voix. Pas pour que tu le dises à haute voix. N'écoute pas ton voisin. Vas-y, fais-en monter. Fais-en monter. Mon Dieu, mon Créateur, mon bâtisseur, mon maître, mon sauveur. Tu es mon Dieu. Toucher le ciel, ils ont envie de toucher Dieu. Je sais qu'il est en moi par le Saint-Esprit, mais son trône est dans le troisième ciel. J'ai envie de toucher cette main levée est une manière de dire c'est toi que je veux. La vie éternelle. La Bible
dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Oh Dieu, trois fois saint, immortel et invisible. Oh Dieu sage. Oh Dieu véritable. Je veux te dire. Je veux te dire à la paix. Tu es nos sources sont en toi seul qui siège sur le trône de l'univers et de l'éternité. Nous n'avons pas d'autre Dieu parce qu'il n'y en a pas d'autre. Nous avons soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous célébrons, nous honorons, nous acclamons le Dieu véritable. Laisse-moi acclamer, laisse-moi acclamer le Dieu qui entend, le Dieu qui entend ma soif, qui produit ma soif, qui étanche ma soif. J'acclame l'esprit de vie, j'acclame l'esprit de paix, j'acclame l'esprit d'amour, j'acclame l'esprit de liberté. J'acclame le Dieu de guérison, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma lumière, le Dieu de ma forteresse, le Dieu de mon allégresse. J'acclame mon protecteur, j'acclame ma guérison, de gloire qui donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Aïe, elle est le Dieu de toute chair. Celui qui au commencement a créé les cieux et la terre. Celui qui m'a créé à son image et à sa ressemblance. Satan n'est pas un créateur. Les saints ne sont pas des créateurs. Les anges ne sont pas des créateurs. Les démons ne sont pas des créateurs. Un seul est le créateur. Béni éternellement. Yamakane Patane. Jamais, jamais ne trahira son alliance. Jamais n'oubliera sa fidélité. Celui qui entend les cris des justes et qui répond. Celui qui se lèvera certainement et qui n'a pas dit son dernier mot. Et ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas apparu dans ma vie. Cette maladie n'est pas pour la mort, non.
Cette condition n'est pas pour la mort. Il m'a affligé. Il a permis que je sois affligé. Et le psalmiste a dit, avant d'avoir été humilié, avant d'avoir été affligé, avant d'avoir été forcé à l'humilité, je m'égarais. Parce que j'oubliais, je croyais que ma capacité, mon diplôme, je croyais que les choses venaient de moi. Avant d'avoir été humilié, affligé, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe tes commandements. Parce qu'à travers les épreuves de la vie, tu m'as enseigné, tu m'as délivré de la folie de l'orgueil, la folie de l'indépendance, la folie de l'arrogance. Et tu m'as ramené à toi. Tu es mon Dieu, je n'en ai pas d'autre, je n'en reconnais aucun autre. Jésus-Christ seul. Oh, y a-t-il une personne pour reconnaître et acclamer tu es? Tu es mon Dieu. Oh, ma père, tu es mon Dieu. De ce que tu es, merci de ce que tu es. Qui compte te prendre pour appui n'aura point hâte de fuir. Allégresse, lumière, salut, intercesseur, médiateur, conducteur, source d'inspiration, source de grâce, source de miséricorde, source de compassion, source de bonté. Nous te remercions. Nous te remercions pour cette semaine que tu as faite. Que ta main soit étendue sur ton peuple. Que ta main puissante atterrisse sur ceux qui sont dans leur corps, affligés, oppressés, tourmentés. Dieu, notre Dieu, notre Père, notre source, c'est après toi que nous avons soupiré. Et nous savons que tu as entendu les cris des justes et que tu réponds à la soif, aux cris des justes. Merci pour la vigueur, la vitalité, le salut, la visitation, l'exaucement, la guérison, la délivrance, la restauration, le redressement, le rétablissement, le relèvement, le rayonnement, le renouvellement. Plus que jamais.
merci. Au-delà de tout, de réveiller, de bâtir une église de véritables adorateurs. Et les véritables adorateurs, j'en ai assoiffé du Dieu vivant. Merci. Notre passé ne sera pas notre futur. Cette année, Christ, manifeste-toi. Pleinement. Vis comme jamais auparavant. Cette année et cette saison, nous ne savons pas combien de temps elle durera. Mais Christ sera pleinement formé, assis, enraciné, établi. À toi seul qui est suffisant pour ces choses et qui est le seul capable de bâtir un tel édifice. À toi Dieu de perfection, à toi Dieu tout puissant, à toi Dieu de toute possibilité, sois louange, honneur et gloire et maintenant et dans toutes les générations, dans le nom le plus excellent, le plus magnifique, dans le nom de Jésus le Christ. Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. 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 Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nous prions ce soir que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Ramène-nous ici demain plus assoiffés encore qu'aujourd'hui. Visite, habite, Père, fais infiniment au-delà de ce que nos pensées peuvent imaginer par ta puissance qui agit. Nous, nous demandons Christ vécu maintenant. Nous nous demandons que toi seul, tu vis. Conduis-nous, assiste-nous. Fais ce que tu dois faire. Mais il faut que Christ soit manifeste. Au nom de Jésus, le Christ. Excellente soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et demain, 19h30. Par sa grâce. Le Seigneur accompagne.